Kenny, ça va? Ça va et toi? En forme? Ça va, bien. Ça va. Bon, je t'ai préparé une petite session de test pour savoir comment t'es physiquement. Ouais. Bah, c'est... Et après, tu passeras avec Baptiste pour faire tout ce qui est exercice de gainage. J'ai travaillé en endurance. Ça marche. Ok. Super. Allez, hop. Je vais chercher nos points forts. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est le fruit du travail. Le travail acharné. Bon, tu vois, aujourd'hui, ce que tu vas faire, on va commencer avec un petit travail de mobilité. Et après, on va se mettre un petit peu sur le rameur pour faire monter le cardio. Et la séance d'aujourd'hui, on va faire un travail de renforcement lombaire, un petit renforcement de toute ta chaîne postérieure au niveau du dos, haut et bas. Et okay. Le boule, parce que j'ai besoin de boule aussi. Très important, hein, pour la plage. Toute la partie fessier. Et après, on va finir un petit peu avec le cardio et un travail un peu de cognitif associé. Okay. Donc, on va pouvoir il a appelé ça le finisher. Un finisher, c'est finisher. Ça, un finisher. Donc voilà comment ça va se passer pour le roule. Ouais, ça roule. Pour l'instant, ça va. La prise en charge d'un e-sportif se fait en combiné avec un préparateur physique et un kinésithérapeute. Il est important d'avoir un suivi kinésithérapeute pour les sportifs parce qu'ils ont quand même une position assise prolongée. Leur activité, c'est de rester assis longtemps devant un ordinateur. Donc, il y a une raideur musculaire qui s'installe sur les membres inférieurs, au niveau du dos et également au niveau de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, donc tout ce qui concerne épaule. Le rôle du kiné, ça va être de travailler l'assouplissement au niveau de ces zones pour pas qu'il y ait après, à force, des contractures qui apparaissent et puis également des blessures. On a déjà vu des grands sportifs de e-sport arrêter leur carrière à cause de tendinites qui sont apparues et malheureusement, ils n'ont pas pu guérir. Bien, la forme. Non, t'es fatigué. Je suis mort. C'est vrai. Ok, bon, tu reviens la semaine prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Merci beaucoup. Toi aussi. À la prochaine. Ciao. Ciao.